Good morning, Aleiden. Et tout aujourd'hui, le Nishmat Mouri Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah ben Chana Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Menachot, Perek Gimel, Mishnah Hei. Akometz, Miuto, Meakev et Rubo. Aïsaron, Miuto, Meakev et Rubo. Ayaïn, Miuto, Meakev et Rubo. Ashemen, Miuto, Meakev et Rubo. Asolet ve Ashemen, Meakvin ze et ze. Akometz ve Levona, Meakvin ze et ze. Mishnah très simple, on n'a qu'à traduire directement. Akometz. La pincée, je traduis la première phrase d'abord, après on explique. Akometz, la pincée qu'on prélève de la mincha, de l'oblation pour l'offrir, la faire monter sur le misbéach et la brûler dessus. Mi'uto, me'akev et troubo. Le un petit peu invalide le tout, la majorité. La minorité invalide la majorité. C'est-à-dire, quand la Torah, elle m'a imposé de prendre un kometz entier et de le mettre sur le misbéach, eh bien, si ton kometz il manque même quelques petits grains, tout le kometz est invalidé. C'est le principe de cette Mishnah qui va avoir pour les quatre premiers cas de figure, en tout cas, quatre premières halakhot, où la Torah m'a donné une quantité, et s'il manque quoi que ce soit de cette quantité, eh bien, tout le korban ou toute la mitzvah, elle est annulée parce que je t'ai demandé de faire ça intégralement. D'accord ? À kometz, donc, le kometz, c'est la pincée. Il y a, là-bas, il faut que la pincée, les trois doigts, ils soient remplis entièrement. Et s'il manque quoi que ce soit, eh bien, ça a été invalidé. À la même chose avec Ha-Issaron, le Issaron, qui est le dixième de la Efa, Asirita Efa, la quantité de ce moule à apporter lorsque l'on fait une mincha. La Torah m'a imposé une quantité minimale, on peut apporter plus, on apprendra plus tard, Bezrat Hashem, dans le prochain parakim, qu'en tout cas, il faut un minimum de Issaron Solet. C'est une expression, si vous avez l'habitude de lire dans la Torah, Issaron Solet. Un dixième de CA, de solette de ce moule, si tu as apporté 9,9 mesure de ce moule, quoi, ben tu ne t'es pas acquitté ta mitzvah, t'as pas fait de mincha. Aïsaron, le même principe, mi uto me akev et rubo. Le petit peu, un petit peu invalide le tout. D'accord ? Ayaïn, idem encore avec Ayaïn, le vin. La Torah m'a donné des mesures de vin qui sont, regardez dans le bâton noir, il vous le rapporte, on le lit dans le Corban de Rosh Chodesh, dans le Moussaf de Rosh Chodesh. Chatsi Ayin la parve, ou Shlishit Ayin la ail, Orvit Ayin la keves. Un hin, c'est une mesure de vin. Précisément même, un hin, c'est 12 log. Vous vous rappelez, dans le Escalav Goudo, là-bas, il n'y a pas le hin. Ouais, mais je vais vous dire où est-ce qu'il se trouve. Il y en a Efa, Sea, Kav, log. Effacer à Kav Log Beitza avec les coefficients Goudo, Gimel, Vav, Dalet, Vav, 3, 6, 4, 3, 4, 6. Et donc on a le log ici, d'accord ? Escalave le log, vous faites 12 logs, vous allez arriver à la moitié d'une CA. D'accord ? Une CA c'est 24 logs, puisqu'on a ici le Vav et le Dalet, 6 et 4, c'est 24. Donc 12 logs, ça fait la moitié, c'est Hahin. C'est un hin, c'est 12 logs, c'est une mesure de la Torah. Et la Torah m'a dit d'apporter chatsi ha'in. Donc ça va me faire, si vous calculez bien, 6 logs pour un par. Shlishit ha'in ha'il, 4 logs pour un ha'il. Un par, c'est un taureau. Ha'il, c'est un bélier, adulte. Verivit ha'in la keves. Et. Non, c'est même pas, c'est une chèvre. Et non, c'est un bélier. Vit ha'in la keves et un quart de hin, donc ça fait 3 logs pour un keves pour un mouton. Ok ? Idem encore pour ha'shemen mi'uto me'akev et rubo. Lorsque tu fais une oblation, tu dois apporter aussi dedans de l'huile, mettre dedans de l'huile. Alors là, ça se distingue en deux cas de figure. Ça dépend si c'est une minchat nesachim ou une minchat nedava. Une minchat nesachim, c'est ce qu'on avait expliqué dans une des dernières Mishnayot, que. Soit tu décides d'offrir une mincha, alors là la Torah elle m'a imposé de donner un log pour une mesure d'un isaron, c'est ce que j'avais expliqué, ça faisait l'équivalent de en volume 1 pour 7,2 je crois. Ça c'est pour une minchat nedava. Mais si tu fais une minchat nesachim, lorsque tu apportes un korban, tu dois aussi apporter une oblation avec et dedans mettre de l'huile. Là il faudra beaucoup plus d'huile, d'accord, il faudra la même quantité d'huile que de vin en fait. C'est expliqué dans le matin droit tout ça, vous le verrez si vous voulez. Et à présent, on commence un nouveau sujet qu'on va tirer pour les 3-4 prochaines Mishnayot,
où, de manière générale, la Torah m'impose d'accomplir une mitzvah qui contient deux éléments. Et la question est de savoir, est-ce que j'ai un intérêt à faire la moitié? Si j'ai pas les deux éléments, j'ai qu'un seul élément. Est-ce que j'accomplis quand même une mitzvah lorsque je le fais? Ou non? D'accord? Ça va être le principe et on va le voir sur plusieurs aspects. On va commencer avec les korbanot, on va se retrouver à parler de tfilin, de loulav. On va évoquer par exemple le loulav. La Torah me dit tu prends quatre espèces. Si j'en ai que trois, j'ai un intérêt à le prendre. J'accomplis une mitzvah ainsi ou j'accomplis pas de mitzvah. Alors la Torah, la Mishnah, elle va m'enseigner le principe. Pour le moment, on commence, pour le moment, on reste sur les menachot avec Hasolet ve'Hashemen. La Torah me dit lorsque tu apportes une mincha, en général, à part la mincha trotée, tu devras apporter. Mettre de la semoule et mettre de l'huile. Qu'est-ce qui se passe si j'ai de la semoule sans huile? Eh bien, mais akvin zeedze, l'un empêche l'autre. L'un invalide l'autre. Je t'ai demandé les deux éléments. Si tu n'as qu'un seul élément, tu ne fais pas la mitzvah. Donc, ça, tu t'accomplis pas ta mitzvah. Akometz va'alevona, idem encore avec akometz va'alevona. Dans une mincha classique, la Torah m'a demandé de mettre dedans de la levona, de l'encens, une encens spéciale qui s'appelait la levona. Et lorsqu'après, je veux faire monter sur le misbéar, je dois récupérer tout d'abord la pincée de semoule. Je pousse la levona. Je récupère la semoule. Ouais, enfin, on avait dit qu'on doit d'abord fermer le poignet avant de faire entrer. On fait entrer comme ça, on remplit le comète, on le met dans le kli, dans l'ustensile. Après, on récolte la levona, on la met aussi, elle aussi dans l'ustensile. Si tu fais monter la pincée sans la levona, ou la levona sans la pincée, tu t'es pas acquitté de la mitzvah de la mincha. Imaginez que par exemple, le Kohen, il était un peu dans la lune, il a ramassé la pincée. Le comète de la mincha, il a fait monter sur le misbéar, et puis jusqu'à qu'il redescende, la mincha elle s'est perdue, elle est tombée par terre, enfin, on ne peut plus la ramasser. Et bien, a posteriori, on n'aura pas accompli la mitzvah d'apporter cette mincha, il faudra apporter une nouvelle mincha, d'accord? A comète va levona, donc, mais akvin ze et ze, l'un empêche, l'un invalide, les akev c'est empêcher, c'est invalider, ça veut dire que ça atteste pas, on n'accomplit pas la mise à l'équation. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Slacha Kol, tout seul.